pour les enfants de Dieu. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui se sont déjà donnés à Jésus-Christ. Maintenant, c'est eux qui peuvent dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, toutes les bonnes choses de la parole de Dieu, toutes les bonnes choses que Dieu a promis à ses enfants, une belle voiture, une belle maison, ça, Dieu en a parlé. Dieu en a parlé. Une belle voiture, une belle maison. Oui. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne vais pas dormir dehors. Parce que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne vais pas dormir affamé. Parce que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il va me donner toutes les bonnes choses. Alors, après ça, nous allons avoir, ça c'était Psaume 23:1. Notre sixième écriture, qui a aussi une puissance, qui est aussi une inspiration, comme Psaume 23:1, c'est Psaume 35:27. Je lis, qu'il pousse des acclamations et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. L'Éternel veut ta paix. Exalté l'Éternel. C'est lui qui veut la paix de son serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mets ça dans ta tête. Mets ça dans ton cœur. Le Seigneur veut ta paix. Le Seigneur veut ta paix. Le Seigneur veut ta paix. Alors, parce que le Seigneur veut ta paix, avec l'autorité que j'ai en Jésus, avec la force de l'Esprit de Dieu qui est sur moi, je parle à tout ce que le méchant a fait dans ta vie, pour amener les confusions, pour retirer la paix. Je condamne toutes les choses du méchant. Je condamne toutes les choses du menteur. Je condamne toutes les choses de l'accuseur. Je condamne ça par le nom puissant de Jésus. Tout ce que le méchant a fait pour voler ta paix, je condamne ça immédiatement par le nom puissant de Jésus. Je condamne toutes ces choses, tout ce que le méchant est entré pour faire, pour enlever ta paix. Je déracine ça maintenant par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu pour éparpiller toute l'armée de l'ennemi qui est venu contre toi pour voler ta paix. Parce que Dieu veut ta paix. Parce que Dieu veut taper, parce qu'il veut taper maintenant. Maintenant, Dieu veut taper. Tu n'es pas obligé de partir une minute sans paix. Tu, à partir de maintenant, maintenant que tu sais que Dieu veut taper, tu n'as pas le droit de marcher, d'avancer dans ta vie, même pour une autre minute sans paix. Non, Dieu veut taper, prends ta paix maintenant. Dieu veut taper, prends ta paix maintenant. Dieu veut que tu sois en paix, prends ta paix maintenant. Le feu de Dieu déracine toutes les choses de l'ennemi qui est venu dans ta vie pour voler ta paix. Toutes les choses de l'ennemi qui est venu dans ta vie pour voler ta paix. Le feu de Dieu entre et brûle toutes les racines de l'ennemi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par l'autorité de Dieu dans ma vie. Par l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie, j'envoie le feu de l'Esprit pour brûler tout ce que l'ennemi a amené dans ta vie pour te voler la paix. Le Seigneur veut que tu sois en paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Christ. Reçois la paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Christ. Reçois par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois en paix. Alors déclare que je suis en paix. Je suis en paix. Dieu veut que je sois en paix. C'est lui qui me donne la paix. Je suis en paix. Et toute chose,
et toute chose qui s'est levée dans ta vie pour voler ta paix, pour voler ta paix, pour te mettre dans des soucis, la puissance de Dieu, la parole de Dieu est un épée à double tranchant. La parole de feu est un feu. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu va avec une vol rapide. La parole de Dieu déracine toute sorte de montagne. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise toute force de rocher. La parole de Dieu tombe sur toutes les forteresses des choses qui sont venues dans ta vie pour te voler la paix, pour te mettre, pour te faire penser, pour te faire chéchémater. Mais par la puissance de la parole de Dieu, je brise toutes ces choses. Je commande le feu de brûler toutes ces choses. Un feu qui ne termine pas. J'envoie un feu qui ne termine pas à toutes ces choses qui sont venues dans ta vie pour te voler la paix. Maintenant, reçois la paix. Reçois la paix de Christ et commence à rire. Reçois la paix de Christ et commence à penser à des choses de Jésus. Christ, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, nous allons maintenant avancer à notre point. Le point numéro 7, notre écriture numéro 7, c'est encore d'Absaume. Mais dans Absaume, nous allons voir Psaume 74. Nous allons prendre deux écritures dans Psaume 34. Dans Psaume 37, nous allons voir. Le premier, c'est Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et si nous lisons aussi à 25, dans le même Psaume 37, 25, l'Écriture nous dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Fais de l'Éternel ton délice. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton délice, mon frère et ma sœur. Fais de l'Éternel ton désir. Fais de l'Éternel ton délice. Fais de l'Éternel ton désir. Fais de l'Éternel ce que ton cœur veut, ce que ton cœur aime. Fais de l'Éternel ce que tu penses. Fais de l'Éternel ton choix. Dans toute chose, choisis l'Éternel. Dans toute chose, choisis l'Éternel. Mets ta force, mets ton amour, mets ta tête, mets ton intelligence, mets tout ce que tu as vers l'Éternel. Fais de l'Éternel le bijou. Fais de l'Éternel ton adoration. Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire. Fais que l'Éternel soit le numéro un. Sois le numéro un dans ta vie. Ceci nous est encore répété dans les livres, dans le Nouveau Testament. On nous dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de tous tes muscles, de toute ton âme, de tout ce que tu as. Aime l'Éternel. C'est un peu ce que nous dit ici. Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera les désirs de ton cœur. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Je suis en train de partager avec vous ces choses ici, mes frères et ma soeur, sans peur. Je suis en train de partager ces choses ici, mes frères et ma soeur, sans peur. Parce que je sais que c'est la parole de Dieu qui fait les choses. Alors, si tu as les choses dans ton cœur que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, si tu as des soucis dans ton cœur que tu veux voir venir à la manifestation, ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une force pour arranger toutes les choses dans ta vie. La parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a donné la parole. Dans les psaumes, on nous dit quelque part que ceux qui étaient perdus, quand ils ont crié vers Dieu, Dieu n'a pas envoyé les anges. Il a envoyé sa parole. Et sa parole
a fait tout le travail qui devait être fait. Alors, ils se sont retrouvés dans des bons chemins. Ils étaient perdus, ils étaient dans l'eau, ils étaient sous la mer et il y avait beaucoup de vagues, il y avait beaucoup d'histoires. Ils ont pleuré pour leur vie. Ils se sont vus mourir. Mais ils ont invoqué l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les a envoyé la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu continue de puissance à puissance. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, ce que Dieu t'envoie aujourd'hui, c'est la parole. Il te dit que fais de lui le numéro 1. Fais de l'Éternel le numéro 1. Moi, là, je suis en train de faire de l'Éternel mon numéro 1. C'est pourquoi je prends mon temps pour partager la parole de Dieu avec vous. L'Éternel est numéro 1 dans ma vie. Alors, j'ai le désir de mon cœur. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé ces choses pour dire que je suis en train de partager ces choses ici avec les chrétiens. Si tu es chrétien, tous les désirs de ton cœur sont acceptables par la croix de Jésus. Tous les désirs de ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, tous les désirs de ton cœur. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de dire qu'il va te donner les désirs de ton cœur. Parce que tu lui as déjà donné ta vie. Et les désirs de ton cœur marchent ensemble avec la parole de Dieu. Les désirs de ton cœur marchent ensemble avec la parole de Dieu. Alors tu as les désirs de ton cœur. Je n'ai pas peur de te dire que tu as les désirs de ton cœur. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait le travail. Parce que quand Dieu voulait voir le ciel, quand Dieu voulait voir la lune, quand Dieu voulait voir le soleil, quand Dieu voulait... quand Dieu a voulu voir les animaux, l'homme, l'océan et tout, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et cela fut. Il dit la chose et la chose arrive. Dieu parle. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous a donné. Il nous a déjà donné la parole. Si c'est déjà révélé comme ça dans la parole, si c'est déjà écrit comme ça dans la parole, c'est pour nous. Alors, j'ai fait de l'Éternel le numéro 1 et j'ai le désir de mon cœur. J'ai fait de l'Éternel le numéro 1. Le numéro 1 dans ma vie. Le numéro 1 dans ma pensée. Le numéro 1 pour moi, c'est l'Éternel. L'Éternel est le numéro 1. Et voilà, j'ai le désir de ma vie. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma sœur. Fais une décision maintenant. Place le Seigneur, l'Éternel, comme numéro 1 dans ta vie et vois les miracles arriver immédiatement dans ta vie. Vois les miracles. Les miracles se produire directement dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Notre 8e écriture est dans le livre des Proverbes. Les écritures que je partage avec vous sont des écritures puissantes. Si tu prends ces choses au sérieux, si tu prends ces écritures au sérieux, que tu le mets tous, tu fais une liste de ces écritures et tu médites sur ça chaque jour, tu les prends comme comprimés, la pauvreté va fuir dans ta vie. Les choses que je partage avec toi vont devenir solides dans ta vie et la pauvreté va fuir dans ta vie. Les dettes vont fuir ta vie. Les soucis vont fuir par le nom puissant de Jésus. Maintenant, notre 8e écriture est ceci. Nous allons prendre ça dans le livre des Proverbes 3. Je vais lire à partir de 9. Dans le livre des Proverbes 3 à partir de 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondantes. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves régurgeront de vin nouveau. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves régurgeront avec de vin nouveau. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Mon frère et ma soeur, je partage avec vous la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. On voit dans le livre des Proverbes. Il nous dit d'honorer l'Éternel avec nos biens. Honore l'Éternel avec le premier de tes produits. Comme la Bible nous parle dans les livres de Lévitique, où ils expliquent au peuple qu'est-ce qu'il faut offrir au Seigneur, comment offrir au Seigneur, quand offrir au Seigneur. Alors, honore le Seigneur ton Dieu. N'oublie pas d'honorer ton Dieu avec
tes biens. Parce que ici même l'Écriture nous dit qu'en faisant cela, en aurant le Seigneur cela, tu auras la plénitude. Ici on nous dit que tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis de bonnes choses. Et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Tes cuves regorgeront de vin nouveau. Le Seigneur dit que quand tu fais ceci, tu vas avoir ta récolte. Que je vais aussi venir te visiter pour bénir ton travail. Je vais aussi visiter pour remplir ta maison de bonnes choses. Pour remplir tes coffres de bonnes choses. Ça, c'est la parole de Dieu que je partage avec vous. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous savons tous, toutes ces choses qui arrivent. Où les gens demandent, donner, et vous ne savez pas ce qu'ils font avec tout ce que les gens donnent. Mais ce qu'il faut savoir, et que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Les gens peuvent prendre ça pour jouer avec ça. Les autres peuvent faire ça pour travailler avec ça selon la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Tu as maintenant le choix de prendre ton cœur. Tu as maintenant le choix de prendre ton cœur. Comme tu es enfant de Dieu et écouter la parole de Dieu. Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela, je vais t'apporter, je vais te donner. Parle à mon cœur, où est-ce que je vais amener ces bonnes choses ici. Si le Seigneur te touche d'amener ces choses chez moi, je vais les recevoir comme étant un homme de Dieu. Si le Seigneur te pousse à amener ici, d'amener par là, touche à ton cœur. Comme tu es enfant de Dieu, tu dois savoir d'abord dans quelle église où tu vas. Si c'est le Seigneur qui t'a amené dans cette église-là, jamais dans la vie, tu as le droit de fermer ta main pour et tu refuses de bénir l'église où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a déjà placé dans une église, si Dieu t'a déjà parlé que ça c'est ton église, vas-y, continue, ouvre ta main, selon comme Dieu t'a parlé, ouvre ta main, bénis l'église, il va te bénir aussi. Si tu as été béni par mes partages, ouvre ta main, bénis mon ministère et Dieu va te bénir aussi. Dieu va te bénir aussi. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, notre 9e écriture est aussi dans Proverbe. Nous allons voir dans Proverbe 10, 22. Ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe 10, 22. Il y a une écriture. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il n'y ajoute aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il n'y ajoute aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir. Et il n'ajoute pas de chagrin. Il ne faut pas avoir peur de la bénédiction de Dieu. Comme les gens disent, beaucoup de gens disent des fois que, oh, si Dieu me bénit, je veux me perdre, je vais aller dans le monde, je vais retourner dans le monde, ceci et cela. Si Dieu te bénit aujourd'hui et tu vois que tu vas retourner dans le monde, tu n'es pas encore entré en Jésus-Christ. Maintenant, pour les gens qui sont déjà entrés en Jésus, pour les gens qui sont déjà dans le travail avec Jésus, pour les gens qui sont déjà avec Jésus, écoutez ceci mes frères, écoutez cela mes soeurs. Écoutez ceci mes frères, écoutez ceci mes soeurs. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il n'ajoute pas de soucis. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Le Seigneur veut t'enrichir par sa bénédiction. Sois béni, sois enrichi, sois béni. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. La bénédiction de Dieu qui vient avec cette parole de la foi. Que j'avance dans ta vie, que je pousse dans ta vie, que je te bombarde avec la parole de Dieu. Je bombarde ta tête avec la parole de Dieu pour que tu puisses être enrichi par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Et tu es riche, tu n'as pas de soucis.
Tu es riche et cela ne vient pas avec des soucis. Cette bénédiction de Dieu, tu deviens, dans la bénédiction de Dieu, tu deviens riche et il n'y a pas de complications, il n'y a pas de soucis. La bénédiction de Dieu, elle te fait riche comment? Quand tu es riche selon la bénédiction de Dieu, tu es riche dans ta tête, tu es riche dans ton ventre, tu es riche dans ton corps, tu es riche dans ton cœur, tu es riche dans tes poches. Maintenant, cette bénédiction, tu es riche même dans ta famille. Tu es riche dans tes amis. Dieu ne vient pas seulement te bénir avec l'argent. Non, il te bénit avec l'argent. Il te bénit ta santé. Il te bénit avec une bonne santé. Il te bénit avec une bonne famille. Il te bénit et il te place tout autour. Parce que Dieu, quand il te bénit dans l'esprit, il te bénit dans le corps et il te bénit dans ton âme. Donc, tu es dans la bénédiction de Dieu, elle te donne, elle te met dans une bonne santé. La bénédiction de Dieu, elle te donne l'argent, beaucoup d'argent. La bénédiction de Dieu, elle te donne l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Tu comprends les écritures de Dieu, tu comprends Jésus-Christ, tu vois les anges, tu vois tout autour. C'est ça le travail de la bénédiction de Dieu. Alors reçois la bénédiction de Dieu. Alors reçois la bénédiction de Dieu qui brise les chaînes, qui fait briser, qui fait tomber tous les travaux de l'ennemi, qui fait fuir la malédiction de l'ennemi. Toutes les mauvaises choses qu'ils ont dit contre toi, la bénédiction de Dieu les fait fuir maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors pour cet épisode, pour cette première partie des 20 écritures que nous allons voir maintenant les 10e écriture. Il faut continuer à regarder parce que les 10 autres écritures viennent dans la prochaine épisode. Mais pour terminer cet épisode, s'arrêter là, nous allons voir notre 10e écriture. N'oubliez pas, ça c'est une vidéo à départ. J'ai divisé ça en 10. En tout, il y a 20 écritures. Nous avons commencé dans l'Ancien Testament. Nous sommes en train d'aller page à page après page dans le Nouveau Testament. Où nous allons voir les 10 autres écritures qui vont t'enrichir, qui vont te bénir, qui vont amener l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie immédiate. Notre 10e écriture, c'est dans le livre des Proverbes 22:9, je lis, l'homme dont le regard est bon sera béni, parce qu'il donne de son pain à l'indigène. L'homme dont le regard est bon sera béni, parce qu'il donne de son pain à l'indigène. Le Seigneur veut que nous puissions donner notre pain aussi à l'indigène. Le Seigneur veut que nous puissions partager les choses qu'il a mis dans nos mains. Alors, il ne faut pas attendre que toutes les bonnes choses, les grandes choses, la multitude dont nous avons partagé aujourd'hui, puissent arriver dans ta vie pour que tu commences à regarder les pauvres qui sont dehors, pour que tu puisses commencer à faire des bonnes choses pour tes voisins, pour que tu puisses commencer à donner aux gens qui sont autour de toi. Non, déjà il faut commencer. L'homme dont le regard est bon sera béni. L'homme dont le regard est bon sera béni. C'est lui qui a un cœur pour partager avec les gens autour de lui sera béni. Alors, déjà, dès que tu cette révélation entre en toi, mets déjà toi en tête que la bénédiction de Dieu qui vient pour toi, qui vient sur toi, c'est pour que tu puisses bénir les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qui se tient dans la foi pour comprendre les grandes choses que Dieu a réservées pour nous dans la parole. Maintenant, toi qui comprends déjà, la Bible nous dit que Dieu a béni Abraham pour que Abraham puisse bénir tous les gens qui étaient autour de lui. La bénédiction qui était sur Abraham, c'est cette bénédiction qui est venue sur en toi, toutes les nations seront bénies. En toi, tous les gens autour de toi seront bénis. En toi, tout ton quartier sera béni. Dieu te bénit toi, parce que tu es dans l'alliance. Maintenant, parce que tu es dans l'alliance avec lui,
Maintenant, tu peux donner ton pain au voisin. Tu peux donner ton pain aux pauvres. Tu peux donner ton pain à ton église. Et tu peux prendre soin aux gens qui sont autour de toi. C'est ça le travail de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a beaucoup de gens à bénir. Il y a beaucoup de gens à visiter. Il y a beaucoup de gens à toucher. Pas toucher seulement que Dieu vous bénisse. Non, toucher financièrement. L'argent parle. Tu peux faire beaucoup de choses avec l'argent. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses être béni avec une bonne santé d'abord pour pouvoir sortir dehors. Béni financièrement pour que tu puisses faire un cadeau, pour que tu puisses toucher, aller dans une famille où il n'y a pas à manger, tu achètes la nourriture pour tout le monde. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à ma page. Et si vous avez besoin de beaucoup de vidéos, continuez et cherchez. Alors, restez à l'écoute pour la deuxième partie de notre de cet partage de 20 écritures qui vont bouger ta vie. De 20 écritures qui vont bombarder ta vie avec une bénédiction. Les 20 écritures qui vont transformer ta vie. Tu vas avoir un soudain transformation. Un soudain transformation. Si tu prends ces écritures, si tu prends cette parole et tu mets ça dans ton cœur, tu vas avoir une transformation rapide. Là où il y avait la pauvreté, il va avoir la richesse. Là où il n'y avait pas de l'eau, il va avoir de l'eau. Par la puissance de Dieu.